Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning et nous allons faire un Vigne-Grenier live de ce dimanche 10 octobre. On va voir ce qu'on peut trouver. Il est à peu près 7h45 du matin, donc l'aube est en train de se lever. Donc voilà, aujourd'hui j'ai prévu à peu près 3 à 4 Vigne-Greniers, je verrai ce que je préfère. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. Donc ça se passe ici, on y va, go, c'est parti. Ok. Je suis pas prévu, je suis pas. 15 euros. Pour l'instant, non, je peux pas, je viens d'arriver. Ils sont tout neufs, c'est pas. Et celui-là, c'est combien ça? Celui-là, il manque juste. Donc voilà, nous allons nous diriger vers le second Vigne-Grenier. Là, le premier, j'ai rien trouvé, mais bon, peut-être que je vais repasser plus tard dans le premier. Donc, on y va, on va voir ce qu'il y a, c'est parti, go. Et tu les fais à combien les GDS? Ça dépend du DVD. Ça dépend si c'est 3DS. Donc voilà, cette fois-ci nous nous retrouvons pour la suite du Vigne-Grenier de ce dimanche, le 10 octobre. Nous sommes dans la banlieue nord. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Donc là je suis en route pour le troisième Vigne-Grenier de la journée. Allez, c'est parti, go, on y va. Vous faites à combien le jeu? Lequel? Celui-là, le 3, le PS3. Ah, ça c'est trop. Combien? Le 3 à 2. Bonjour. Bonjour. Il est 42. Il y a combien? 42. Combien? 42. Il y a plus que deux manettes sur les cartes. Ah oui. Donc là, nous sommes au quatrième Vigne-Grenier sur Paris cette fois-ci, sur le mien. On va voir ce qu'on va trouver. Là, je suis dans le Vigne-Grenier là, plein dedans. On y va. Allez, stop. On
Donc voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce compte rendu de vide-grenier du dimanche 10 octobre. Et je peux vous dire, aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui j'ai fait 4 vide-greniers et aujourd'hui ça a été très, très, très prolifique. En rareté, je vous dis, vous allez voir ça tout de suite. Tout d'abord, le premier vide-grenier que j'ai fait, je peux vous dire que j'ai pu vraiment trouver le pactole. Vraiment, enfin, voilà, je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas s'il était à peu près 7 h quelques du matin. J'ai fait au premier tour, j'ai pas trouvé grand chose. Mais j'ai trouvé une fille qui m'a dit qu'elle avait des jeux de Nintendo DS, 3DS, et qu'elle allait voir. Puis son frère aussi avait des jeux de DS, 3DS, et elle avait aussi des jeux de Wii. Elle allait voir ce qu'elle peut vendre, puisque le temps qu'elle aille chez elle pour récupérer et tout. Donc je lui ai donné mon numéro, et tout, pour qu'elle me prenne ce qu'elle a et tout. Donc ensuite, je suis allé sur le second vide-grenier, puisque les deux premiers vide-greniers, ils étaient dans ma ville. Donc, moi, au deuxième vide-grenier, j'ai pu trouver une BD Spider-Man et les héros Marvel. Sachant que si je l'ai pris cette BD-là, je l'ai pris surtout par rapport à Black Cat. Comme j'aime bien Black Cat, puisque bon, c'est une héroïne qui se trouve dans Spider-Man. C'est Alicia Felix, je crois, son qui joue l'héroïne, le vrai nom de cette héros-là. Elle est dans le nouveau. Elle est dans l'avant-dernier Spider-Man qui est sorti sur PlayStation 4. Que je cherche également, que je m'en wishlist. Donc, je l'ai eu cette BD la Marvel pour 2 euros. En plus, c'est très, très moulant en cuir, sexy, comme on dit. J'aime bien. Donc, ça m'a coûté 2 euros. Je suis très content d'être tombé dessus. Je vais le garder, il est dans ma collection. Enfin, il est dans mes collections de BD, manga. Je l'ai compris. Ensuite, j'ai pu trouver quelques cas d'un film. Elle faisait 1 euro pour 3 films. Il y avait qu'un seul qui m'intéressait. J'ai pris ce film-là, Fast and Furious 8. Que j'ai eu pour me la faire à 30 centimes. Je l'ai donné 40 centimes. Je n'ai plus gardé la monnaie. Donc voilà. Ensuite, en comptant, la fille en question, elle m'a envoyé les jeux qu'elle avait sur Wii. Elle m'a envoyé une photo. Et sur 3DS, DS. Et je peux vous dire, il y avait des choses. Donc, quand je suis revenu sur le premier vide-grenier que j'ai fait, je suis revenu après avoir quitté le deuxième vide-grenier. Je peux vous dire, quand la fille a ramené des choses sur son stand, puisqu'elle expose avec ses parents et tout, je vais vous dire ce que j'ai pris. Et en plus, c'était même pas sur la photo. Elle avait encore amené. J'ai pu trouver Pokémon version noire. C'est pas fini, hein? Pokémon version platine. Accrochez-vous. Ensuite, Pokémon argent, soul, silver. C'est pas fini. Le meilleur est à venir. Pokémon version Hard Gold. Et oui. Et attention, ils sont complets, entièrement complets, en boîte et notice. Il y a tout. Il manque seulement le Pokéwalker. Mais dans le lot, je vous dis, il y a tout. Vous savez pourquoi m'écouter les jeux DS? Je les ai payés 5 euros. Alors là, elle n'avait pas réfléchi. Je lui ai donné 20 euros nickel directement. Et encore, c'est pas fini. Elle avait encore d'autres jeux Nintendo 3DS. Elle avait de Luigi Mansion. Elle avait Mario, New Mario Bros 2. Elle avait Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Lune, Pokémon Ultra Soleil sur 3DS. Mais les jeux DS, elle les faisait à 5 euros. Parce qu'il y avait du Mario Kart DS. Il y avait du Mario Kart 7 sur 3DS. Il y avait, je crois, Sonic Color. Donc, et puis les jeux 3DS étaient à 10 euros. Donc, sachant que pour moi, je vous dis que Pokémon, je suis fan des trois premières générations. Moi, je me suis arrêté à la troisième génération. Et puis, il avait aussi le Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Omega sur 3DS. Donc, je ne pouvais pas tout prendre. Si je ne s'en tenais qu'à moi, j'aurais peut-être pris tous les Pokémon. Mais bon, j'ai pris ceux qui me tenaient à cœur. Mais j'ai pris aussi ceux que... J'ai pris ce que je, enfin, ce que je voulais. Donc, parce que moi, à la base, la version or, c'est ma préférée. Comme j'ai eu la version sur Game Boy Color. Donc, celui-là, je vais le garder. Il va rentrer dans ma petite collection. Même si je n'ai pas de Nintendo DS, enfin 3DS pour le moment. Il y a longtemps, j'ai une Nintendo 3DS, mais je l'ai vendu à l'époque, ça remonte à longtemps. Donc, les autres Pokémon, je pense, ils iront à l'échange. Enfin, je les mettrai à l'échange. Mais ce sera pour un échange spécial. Donc, voilà. Et puis, ensuite, il y avait un autre exposant qui avait des jeux de PlayStation 2.
Mais bon, j'ai pu trouver. Il avait une jaquette d'un jeu que j'avais en loose que je cherchais, mais dans l'intérieur de la boîte, il n'y avait pas le jeu. Il n'y avait pas le jeu en question, c'est un autre jeu qu'il y avait. Donc j'ai demandé s'il peut me donner la jaquette, comme je l'ai succédé dans l'ouze, souvent il a été, il a accepté, il m'a donné. J'ai gardé le boîtier, donc j'ai pu trouver et récupérer la boîte de 007 qui tout double. Comme j'ai succédé dans l'ouze et puis j'ai une boîte platinium, je n'aurai qu'à jusqu'à le remonter, le reconstruire. Voilà. Ça, c'était, j'ai fait 2 VG le matin. D'accord. Ensuite, j'ai fait 2 VG l'après-midi. J'ai été dans la banlieue nord, j'ai pu trouver un jeu de PlayStation 3. J'ai nommé Dragon Dogma, Dark Eraser. Donc, je l'ai pris pour le mettre à l'échange. Hein. Je l'ai payé 3 euros. Il ira à l'échange. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, qu'il me le dise dans les commentaires. Ensuite, l'exposant qui avait ça m'a donné des jeux PC. Puisqu'il m'a dit qu'il n'arrivait pas à vendre, il allait jeter. Donc, il m'a donné 4 jeux sur PC. Il m'a donné le coffret de... Attendez, je vais vous... fait un peu de place. Il m'a donné le coffret de Dawn of War. C'est une édition collector, hein, comptant des choses. Donc voilà et tout. Donc il y a le jeu, il y a des goodies, il y a des choses comme ça. Ensuite, il m'a donné le Seigneur des Anneaux, la bataille de la Terre du Milieu. Ensuite, son add-on, la bataille de la Terre du Milieu, l'avènement du roi sorcier. Et j'ai eu Age of Mythology. Ça a été fait par les créateurs de Age of Empire 2 et 3. Donc voilà. Ça, je vous dis, les jeux sur PC, ça ira à l'échange, mais en cadeau. C'est-à-dire, lors d'échange, j'ai tendance, si vous me connaissez bien, j'ai tendance à ajouter des petits cadeaux, des petits suppléments en plus. Donc voilà, ça sera ajouté en cadeau. Ensuite, j'ai fait le quatrième Bigone que j'ai fait en fin d'après-midi qui était sur Paris. J'ai pu trouver un jeu sur PlayStation 3, mais en édition promotionnelle que je le cherchais. J'ai nommé Spider-Man Edge of Time. Si vous voulez, la traduction en français de ce jeu-là, quand il est sorti, c'est Spider-Man Next Dimension. Non, c'est Aux Frontières du Temps, pardon. C'est ça que ce Spider-Man-là, c'est Spider-Man Aux Frontières du Temps. Donc, c'est un des Spider-Man que j'ai cherché, mais c'est en édition promotionnelle, mais bon. Car les deux, je cherche deux Spider-Man qui ne sont pas évidents à trouver sur PlayStation 3. Quand je les vois en cash, ils sont chers, ils coûtent à peu près 12 euros minimum. Donc, voilà. Ensuite, quand j'ai fini le 4ème grenier qui était chez Paris, que j'ai fait en fin d'après-midi, puisque après, comme j'étais à Paris après le troisième Vigonnet que j'étais dans la banlieue nord, je suis retourné sur le premier Vigonnet que j'ai fait, là où j'ai trouvé les Pokémon. Je suis allé revoir la fille, voir ce qu'il restait, puisque j'ai dit que en fonction, j'allais voir si je peux repasser pour prendre d'autres trucs. Il y restait 2 jeux Pokémon, Pokémon Y, qu'elle a voulu me brader à 7 euros, mais bon, les dernières générations des Pokémon, je ne les ai pas. Je les ai pas pris. Bon, j'ai pris ceux-là qui ont un très bon Argus, mais bon, voilà. J'ai pu prendre en loose Pokémon Diamant, qu'elle m'a bradé à 4 euros. Je l'ai pris. Et puis sur notre stand, j'ai trouvé ce jeu-là, Pitch Perfect for the Hit Girl, non, version américaine, le titre, que j'ai eu pour 50 cents. Donc voilà. Donc là, voilà. Je peux vous dire que ce Vilgonin a été très prolifique. J'espère que de votre côté, vous avez fait de bons. Vilgrenier, que ça s'est bien passé. En tout cas, Didi New Walker, si tu vois cette vidéo, je te fais un gros clin d'œil, comme je sais que tu es un gros fan de Pokémon et que tu es un collectionneur de Pokémon. En tout cas, je peux vous dire que du Pokémon, il y en avait. C'est la première fois de ma vie que j'en vois autant sur DS. Voilà, je suis super vraiment content. Donc voilà, c'est tout pour ce Vilgrenier live du dimanche 10 octobre. J'espère que de votre côté, vous avez fait de bonnes trouvailles. J'irai voir ce que vous avez fait. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Allez, salut !